je m'appelle Lila et en fait c'est mon premier tuto maison. Et en fait nous allons fabriquer des cookies maison. Nous aurons besoin d'un saladier avec un fouet, du beurre, des pépites de chocolat, des sucres colorés, du sucre, de la levure, un œuf et de la farine. Et là, c'est juste à côté, en fait, nous aurons besoin d'en fait de quelques gouttes de beurre et d'une plaque avec du papier. Pensez à préchauffer votre four à 220 degrés et à demander à vos parents de le faire. Suivez-nous, c'est parti. La première étape, prenez un saladier et un fruit. Ajoutez la farine. Je touille en fait avec le sucre et la farine dans mon saladier. J'ouvre mon paquet de levure. Un demi-sachet. Je mets un demi-sachet. Et la levure sert à quoi, Lila? La levure sert à gonfler parce que sinon on aura un gâteau tout ramollo. En fait, mes parents ont fait fondre le beurre. Donc, demandez à vos parents de faire chauffer le beurre et puis ajoutez-le dans votre saladier. Avec la farine et le tout, on a inversé. Voilà, nous avons ajouté le beurre et ça nous fait cette texture. Il ne faut pas non plus que ce soit pile poil cette texture. On a petit peu plus, mais sinon c'est pas une pâte à cookies. L'œuf, j'ai mis l'œuf. Il faut que la texture soit un petit peu granuleuse, sinon ce n'est plus une pâte à cookies. Il faut que ce soit pas non plus très liquide. Donc je prends mes pépites et j'ajoute dans le et puis je tourne avec mon fouet. Voilà le résultat. Et vous savez, moi des fois je fais ma cookie, je prends un petit bout de pépite avec un petit peu de pâte. Mais quand même, prenez pas tout, sinon vous n'aurez plus de cookies, les copains. Avant dernière étape, je ajoute mes petits sucres, je les mets celui-là et les deux. J'en ajoute un petit peu. J'en ai mis un petit peu trop, les amis. Peut-être une petite étoile, un petit peu par-ci. Voilà les amis, ma pâte est très marrant et très originale. Je mets mes cookies sur ma plaque avec du papier. Je vais faire des petites boules. En fait, ne les mettez pas trop collées, sinon ça va vous faire un cookie géant. C'est un petit peu drôle. Voilà, je les espace un petit peu, sinon ça va vous faire encore un cookie géant. Et ma maman est enceinte d'un petit frère. Et en fait, on sait comment il va s'appeler, mais en fait, on ne le dit qu'à la naissance. On va le dire dans les prochains tutos. Et ils veulent naître dans quelques jours. On le dira au prochain tuto. Voici le dernier. Je le prends. En fait, ma maman va venir, ou mon papa va venir m'aider à mettre au four parce que sinon, ça pourrait me brûler. C'est la fin de ton tuto. On se retrouve dans 10 minutes après la cuisson de nos cookies. On a presque fini notre tuto. Vous allez nous voir déguster nos cookies. Et j'espère qu'ils seront trop bons. Si dans les commentaires, on va fabriquer des commentaires. Et en fait, vous pourrez après mettre dans les commentaires le cookies le plus beau. On enlève la plaque de four. On la pose. Voilà, nos cookies, ils sont trop jolis, lui il est minuscule, il est trop chou. Et lui, moi je vais manger lui, je pense. C'est parfait, ils ne sont pas collants, c'est très bien. Voilà. Allez.
mis dans un petit peu collant. Le minuscule, il va aller là. Son esqui. Mais le moment le plus important de la vidéo, les déguster. Je finis juste et puis on attaque. Alors, comment? Texture? Très bien. Le goût? Très bien. Si tu devais te donner une note de 0 à 10, tu te donnerais combien là? 10. Ils sont trop bons. J'adore. Et en fait, on nous retrouve pour la prochaine vidéo peut-être. Avec une autre recette. À la prochaine fois.